T'es arrivé au rugby à quel âge? Jeune, j'avais 6 ans. Et t'es né à Alger? Yes. T'es arrivé en France? 3 ans et demi, ouais. À 3 ans et demi. Ouais. Et à 6 ans, t'attaques le rugby. Où ça? À Vierzon. Si, bon, là, t'es à Toulouse. T'as encore combien de contrats? J'ai re-signé 3 ans. Ouais. Dit-il en prenant son verre. Oui, j'ai re-signé 3 ans. Non, non, c'était marrant non, parce qu'au départ, ça a été compliqué en arrivant à Toulouse parce que ben, je reviens des JO et puis Balji. Donc, t'arrives dans un nouveau club, enfin, plus dans le club de tes rêves où c'est un gros, gros club. T'as pas envie d'arriver et de dire que t'es blessé, donc tu tires. Et ben, au bout d'un moment, tu n'avances plus, ouais. Tu peux plus, donc tu te fais opérer. Et, là, au niveau moral, là, j'ai pensé que ça allait être la fin. Ouais. Ouais. Parce que tu avances dans l'âge aussi, 29, ouais. Tu dis, on va tirer une croix. Quoi. Même tout le monde ici pensait que c'était fini. C'était fini aussi. Et toi, au fond de toi? Ben, je me suis dit moi, que c'était pas possible. Je dis, sous mes airs de mec qui déconne, qui est cool, quelqu'un qui bosse beaucoup et je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas. Et là, voilà. T'es en pleine canne, tout va bien, t'as des bonnes sensations. Voilà, quand physiquement ça va, j'ai pu bosser à l'intersaison et pouvoir faire une saison comme ça. Quoi. Vous gagnez quasi tout, toi t'es titulaire, tout roule quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus là? Mais de gagner, ouais. De gagner un titre avec le Stade, ça fait... Moi j'en ai jamais gagné en première division, enfin en top 14. Et le Stade, ça fait longtemps, donc ça serait le Graal. T'as des enfants? Un enfant? T'as... Deux enfants, trois enfants même, j'ai trois enfants. Alors vas-y. Donc il y a Lenny, 9 ans. Ouais. Lia, 4 ans. Et Eden, 1 an. T'en veux 4? T'en veux 5? T'en veux 6? Pendant un moment, ouais, on en voulait 4 avec ma femme, 4, 5, enfin famille nombreuse, parce qu'on adore les enfants. Ils sont comme ça, 4, 5. Voilà, c'est ça. Non, c'est... Et là, c'est chaud, 3. C'est chaud et surtout que j'ai celle du milieu, l'IA, c'est une pile. Quoi. C'est important ça quand même, la famille. Ça m'a fait grandir beaucoup, ça m'a apporté beaucoup de calme, enfin, ça m'a vraiment fait changer. Ouais. Oui, j'ai vu que tu faisais soin de ton corps. Ah. D'ailleurs, on va regarder quelques photos. T'as fait le calendrier, alors? Ouais, ben là, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est les photos, après c'est sûr prendre soin de soi. Mais qui n'aime pas prendre soin de soi? Mais exactement. Moi j'aurais ton corps, je serais toujours torse nu. Et ben tu te fais un peu brancher là-dessus. Bien sûr, tu te fais brancher, mais c'est bonheur. Ouais. C'est toi bon aussi enfant. Tu branches. On m'a dit, Antoine Dupont, il dit, vas-y, parce que lui, il met des pièces. Non, oui, t'es comme... j'aime bien. Non, c'est, voilà, je trouve qu'on a la chance de faire un métier formidable. Donc on peut rigoler. Justement, dans les vestiaires, là, j'ai vu qu'il y avait une petite photo de toi. C'est quoi, cette photo? Je suis parti au Mexique pendant les vacances au mois de janvier. Et, du coup, on s'envoyait des photos, des vidéos. Et, ils voyaient que je mangeais pas mal et tout. Et ils pensaient que j'allais revenir... Gros? Gros. Mais non. Mais non. Sofia n'est jamais gros. Il paraît que tu es très attentif à tes cheveux. Pareil. Hein. Mais je profite parce que ça, avec toutes les conneries que j'ai fait dedans, il y a 2-3 endroits où ça commence à partir, donc je profite. Hein. Ah, on cache bien. Non, on n'en parle pas, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite alors? Le titre, finalement. Ouais. Il y a 2 semaines, je t'aurais dit le doublé. Ouais. Attention, hein, parce qu'il y en a, regarde PSG. Hein. C'est vrai. Mais bon, voilà, comme je dis, on n'est pas comme le PSG.